En ce qui concerne le 7% Giscard, vous avez attaqué à la valeur nominale. Je vous avais conseillé de réaliser à 11 000, on est à 7 895. Que faisons-nous? On a enregistré une hausse de 11% sur l'once hier à New York. On garde. Madame, vous êtes toujours parfaitement informée. Kléber-Colombe, 40-20. Non. Gaumont, 406. Non. Avion Dassault-Breguet, 800. Non. Facom, 520. Non. Général de Fonderie, 127-50. Oui. Manurin, 820. Non. Merde, merde, merde! Qu'est-ce que tu fous? Je prépare la géo du mardi 3 mars. J'en ai marre, j'ai plein d'ennuis, j'ai plein de problèmes. En plus, je crois que la codice ne marchera pas. Mais dis-moi, tu n'as pas vraiment l'air d'une veuve éplorée. Pourquoi veuve éplorée? Parce que dans un mois, tu n'auras ni boîte, ni mari. Merde! C'est pas possible! Est-ce que tu as vu maman? Elle ne veut rien savoir. Elle n'a jamais pardonné André d'avoir été vice-président de l'UNEF, maître assistant parisien, et en plus d'avoir tout lâché pour le privé. Mais c'est joli ce que tu portes. Qu'est-ce que c'est? Ça te plaît? C'est du renard. J'ai rendez-vous avec beau papa au Connor. Amore, il lume si possente per voi qui si conduce. Vista appena la luce di vostre fulgini. Alle vive famille. Avez-vous toujours la même adresse, madame de la Mazière? Oui, bien sûr. Agonizzanti. Et tu? Mi vogliamo davanti. E dai davanti e davanti. Vous? Regardez sur vous? Ah oui, je peux? Oui, bien sûr. Je peux vous payer en dollars? Oui. $1,000. Vous pouvez compter. Merci. D'accord. Quel est votre nom? Viviane Mérès. Et votre adresse? 2 Allée des Marronniers, Paris 2. Vous emportez ça? Oui, bien sûr. Pour le solde, je peux vous payer au début du mois prochain? Oui, sans problème. D'accord. Merci. Merci, au revoir.